Bienvenue dans la Grande Pyramide. Nous avons visité la Grande Pyramide version future, qui s'appelait d'ailleurs, je sais plus si elle s'appelait Grande Pyramide ou pas. Je peux pas les tuer ou quoi? Si, c'est bon. Nous avons visité aussi la Grande Pyramide version passée, que nous avons terminée dans le précédent épisode. Et désormais, nous visitons la Grande Pyramide en version présent. Pour être exact, ça s'appelle la Pyramide Fantôme dans la version future. Et ça s'appelle le Temple de la Terre dans la version passée. Et la Grande Pyramide dans la version présent. Faut-il mettre une bombe ? Oh là, je vais mourir. Ok, pas tout de suite en fait. Ah, j'ai toujours pas la carte. Ah d'accord, je suis revenu à l'entrée. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est horrible, au secours! Qu'est-ce qui se passe si je tombe? Je sais pas. Je vais bientôt le savoir. Ah, la carte! Bon, ben là, y a pas trop à réfléchir. J'aime pas ça. Voyons déjà par ici. Ce donjon a l'air très vaste et pas très linéaire. Donc là, je suis bloqué. Alors, je vais faire comme ça. Ça aurait tendance à m'indiquer que le marteau n'est peut-être pas le trésor du donjon. Mais qu'il faudra revenir après pour avoir des gemmes de force. C'est mon pronostic en tout cas, on verra s'il se réalise. Ok, donc je crois que c'est tout pour cette salle. Il y a encore une porte là-haut. Comment je peux y aller ? Oula, ça, je pense pas pouvoir. Parce que le grappin, il est bien gentil, mais il a quand même pas une portée jusque là-bas. Non. Oui, il faudra y aller par le... en arrivant de l'autre côté, tout bêtement. Par là. Cool, un coffre. Finalement, les momies, elles sont pas bien méchantes. Grâce à la lanterne, ça va. Deux gemmes de force, déjà ? Alors, donc, oups, on va le tuer, parce qu'il faut toujours tuer tout le monde, on sait jamais ce qui peut se passer. Continuons. Ah, ça me rappelle quelque chose cette pièce. Ouais, je suis déjà venu. Donc apparemment j'étais venu, mais j'avais pas pris les escaliers. J'avais dû aller par là-haut.
Ah oui, zut, c'est ça. C'est là où j'avais eu la carte. Et ici, je suis peut-être pas allé en bas. Ah bah si, c'était ça. Ok, donc là j'ai tout vu finalement. Dans ce coin-là, ce secteur-là, c'est terminé. Oups. Donc il faut remonter. Et là, surtout pas aller en haut. Ça, je vais essayer de le retenir pour plus tard. Par contre, quand je suis tombé depuis le plafond d'ici, peut-être que j'aurais pu tomber de façon à aller au nord là. Ça, c'est le début du donjon. D'ailleurs, non, il n'y a rien de spécial avec ces trous. Donc, réponse non. On ne peut pas tomber au nord. On peut tomber là, là. Mais ça sert à rien. Serais-je bloqué du coup? Ici, il n'y avait rien à faire. Parce que j'ai pas pu exploser ce sol. Même si on sent bien que c'est des emplacements pour des trous. Là, il pourrait y avoir un mur fissuré, tiens. D'après la carte. Eh ben non. Et là à gauche, il y a une porte d'après la carte. Gagné. Donc ça, c'est juste pas possible. Mince. Mince. Si, c'est possible. Donc toujours pareil, faut tomber par le haut. Dans les trois pyramides, il y a eu beaucoup d'énigmes à base de ça, je trouve. Bravo à ceux qui arrivent à finir ce jeu sans avoir un seul game over. Mais moi je suis assez mauvais en combat, je trouve. Ah, j'ai une intuition qu'il faut d'abord aller là. Encore un sol bizarre. Voilà, j'ai gagné, j'ai fait un accès. Sauf que il est inutilisable. Je vois pas à quoi ça peut servir. Ah bah si, il est utilisable, il suffit de tomber dans le trou. Par contre, j'ai pas fait exprès de tomber en l'occurrence. Je me demandais à quoi ça pouvait servir, enfin. En fait ça marche que dans un sens. Donc c'est pour revenir plus rapidement au début du donjon peut-être. Alors revenons là où on en était. C'est-à-dire ici. Encore des planchers bizarres. Là je suis obligé de tomber. Le problème c'est qu'ici j'ai pas de clé. Ah, pourquoi ça marche plus? Hop.
Vite la lanterne. Éclairons ces momies. Ah cool, je suis là. Là où je voulais aller tout à l'heure. Donc je pourrais éventuellement me laisser tomber. J'ai beaucoup de possibilités. Je peux aussi aller là-haut. Je veux bien une clé. La boussole, c'est sympa aussi. Ah non! Quel mauvais réflexe à chaque fois. Donc, alors eux, faut que j'ai retu par contre. Aussi. Merci pour le cœur. Oh, ça n'a servi à rien. Ok. Je vais qu'à tomber direct, pas besoin de le tuer. Par contre, lui... Ah, j'ai obligé de le tuer. Ça, c'est fait. Quoique... Non, c'est bon. Pas de mur fissuré possible, d'après la carte. Et là... Encore essayer ça et tomber dans le trou aussi. Ah, je suis déjà venu là. Et là aussi d'ailleurs. D'ailleurs, si on regarde. Qu'est-ce qu'il nous reste comme coffre? On a deux là, deux là. Ok. Et donc, si vous avez bien suivi, il ne nous reste plus qu'à tomber ici. Oups. C'est bon. Tout va bien. Ça, c'est une salle qu'on a déjà vue. Donc, pareil, je vois pas trop l'intérêt d'arriver par là. Et là, on a le choix. Stalfos. Et un mur louche ici. Nouvel accès ouvert. Porte du boss, tout simplement. Ah, donc là, on n'a pas encore ouvert cette porte. Ni celle-ci. Comment je peux l'ouvrir celle-là? Potentiellement en éteignant les torches. Ce que je ne sais toujours pas faire. Ou alors, tout simplement par la pièce qui est au sud. Je suis peut-être tout simplement pas du bon côté, à mon avis c'est plutôt ça. Et donc je venais d'ouvrir ça. Ah ouais, non mais là ça va pas se passer comme ça. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement pas le tuer. Vu que j'ai déjà tué. Et je sais qu'il se passe rien, donc allons-y. Ah tiens, on peut le blesser avec la torche aussi, la lanterne. Ça a pas l'air de bien marcher quand même. On peut toujours essayer ça. Tiens donc. Ah, je suis dans la salle du début. Enfin... La salle de l'accès secret. Peut-être que je devrais aller voir ça plus tard, non?
Essayons déjà ici. Ah d'accord. C'est encore une salle déjà visitée, donc je pourrais revenir plus rapidement comme d'habitude. Ok. Oula, pas facile. C'est bizarre. Ok. Donc j'ai ouvert la porte dont je parlais tout à l'heure. Pas besoin d'éteindre les torches. Ensuite, j'ai ouvert l'autre porte. C'est super. Et là, donc ça c'est une nouvelle salle par contre. Ouais, je crois. D'accord. J'ai tué tout le monde. Comment faire? Ah oui, d'accord. Pas mal. Donc pareil, j'ai ouvert un accès facile. On dirait des planchers qui vont tomber et qui vont former des trous un jour. Eh, mais je suis obligé de faire ça cette fois-ci. Pardon. Où suis-je? Dans une nouvelle salle. Non! Ouf. J'avais pas envie de tomber à un étage inférieur. Je me souviens plus que j'étais déjà tout en bas. Là, je me souviens plus si je suis déjà allé. Ah si! C'est là où j'étais juste avant. Et là-haut, c'est une nouvelle salle encore. Oui, sauf que je peux pas faire grand-chose. Je peux même rien faire. Bon bah. Pas trop le choix. Il me reste un truc à visiter. Qui est une porte que j'ai ouverte. Il y a quelques instants. C'est celle-là en fait. Oups. Après, comment j'y retourne rapidement, je sais pas, parce que maintenant j'ai ouvert plein de portes partout. Donc je sais pas du tout lesquelles sont plus intéressantes que d'autres. Je pense que par là c'est pas trop mal. Passe en force. Donc je suis à nouveau ici, finalement. Ah, je suis presque mort à nouveau. J'aurais dû acheter une amélioration de défense et pas une amélioration d'attaque. Gardons notre sang-froid. Ah, cool. J'ai cru qu'il pouvait marcher sur le trou carrément. Bon, là, je suis bloqué de toute façon.
Alors, il va falloir que je revienne dans cette salle. Oui, normalement c'est... C'est censé être facile. Bon, de toute façon, là, je peux rien faire à part ici. Ah, je peux me suicider. Oui, c'est une option. Pourquoi pas. Ok, je continue. Est-ce que c'est par là le mieux? Je sais plus. Ah oui. C'est exactement là qu'il fallait aller. Et là, faut que j'aille au sud. Voilà, c'était là. J'ai eu comme un gros doute. Oh. Venez les petits serpents. Je peux toujours pas aller au milieu là? Ah si, je peux. Tout à l'heure j'étais là en bas et je pouvais pas. Par contre maintenant que j'y suis et que j'ai rien eu du tout, c'est bien malin. Ah non, c'est bon, je peux passer par là. J'ai cru que c'était un sombre piège qui vous oblige à faire tout le tour. Une petite clé! Parfait. Je me souviens plus. Où est-ce que je pouvais l'utiliser? Et donc en fait, la plateforme du milieu, elle n'est pas totalement inutile. Elle nous sert quand même pour revenir. Ah non, pas ça. Bon, et puis pour avoir ce coffre... C'était pas une bonne idée de laisser les momies en vie. Ok. On va s'arrêter là pour cet épisode, et dans le prochain, nous essaierons de finir ce temple. Salut à tous!